Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors tout d'abord avant de commencer la vidéo, juste n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, hein, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à suivre mes réseaux en commentaire, hein, si vous voulez m'envoyer des messages sur Snap, Insta, je ne sais où, si vous voulez me parler ou voilà quoi. Aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va pas durer longtemps, il n'y aura pas de questions du jour, on va commencer directement. Donc voilà, c'est une vidéo qui va pas durer longtemps, vous pouvez juste la mettre en fond. Il n'y aura pas beaucoup de montage, hein. Le but c'est vraiment juste de parler. Ça sera pas la meilleure vidéo évidemment, mais je voulais la faire quand même. Alors comme vous avez pu voir, j'ai passé les 10 000 abonnés. Alors tout d'abord, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'aurais jamais cru avoir autant d'abonnés, parce que déjà quand tu crées une chaîne YouTube, tu penses pas directement à... Enfin, tu dis pas ah, je vais avoir les 1 million d'abonnés. Enfin, souvent quand tu crées ta chaîne YouTube, tu crois pas. Du coup, là j'y croyais pas. Et c'est vrai que c'était au début, quand j'ai posté les épisodes photos extrêmes, c'est grâce à ça, hein, que ma chaîne YouTube elle a gagné beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues et tout ça. C'est grâce à ça. Mais voilà, vraiment, je suis choqué que j'ai percé entre guillemets grâce à Foot de Rue, et que c'est pas non plus le dessin animé où il y a la plus grande communauté. Donc je sais pas comment j'ai fait pour percer grâce à Foot de Rue, mais je suis très content. Donc voilà, j'aurais pas cru ça. Tout ça évidemment, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous qui me suivent, qui s'abonnent à moi, tous ceux qui commentent sous mes posts, sous mes vidéos. Je vois, il y en a, ils sont actifs, ils sont tous les jours, ils envoient des commentaires. Donc vraiment, merci à eux. Sinon, ça fait déjà peut-être un an et demi à peu près, ou peut-être un peu moins, que je suis sur YouTube, et ça marche très bien, je suis actif, pour l'instant je m'épanouis encore, j'ai encore plein d'idées de vidéos, et je m'améliore un peu, je trouve, en montage et tout, enfin dites-moi en miniature, peut-être que je m'améliore pas, hein, mais je trouve que je m'améliore un peu, du coup voilà, je pense que le futur va être bien, donc au futur, bon, je vais continuer toujours... ce genre de vidéo, je ferai des petits shorts, je vais faire des petits shorts, voilà. Je vais aussi continuer les posts communautaires, hein. Il y a quelques semaines, je suis revenu, voilà, tous les jours, je fais un post, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est pour une future vidéo, donc n'hésitez pas à aller voter. Donc voilà, et je vais essayer de m'améliorer sur les vidéos, parce que des fois... je trouve que le montage peut être meilleur. Le problème c'est que j'ai pas énormément de temps. Donc je vais essayer de m'améliorer un peu dans tout ça. En tout cas, dites-moi vous, qu'est-ce que vous voulez que j'améliore, qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous aimez pas sur ma chaîne YouTube, hein, dites-moi tout. Le but c'est d'être le mieux, quoi, le plus performant. Et puis donc voilà, en gros, ma chaîne YouTube va pas vraiment changer à l'avenir. Pour l'instant. Sinon, du coup, je vais vous remercier tous. Donc merci, hein, voilà, à ceux qui s'abonnent. Bon, c'est toujours pareil, les remerciements. Mais bon, il n'y a pas vraiment 1000 synonymes de merci. Du coup, voilà, juste merci à ceux qui me suivent. J'espère que vous allez continuer. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux en termes de statistiques et tout, ça marche. Voilà. Pour ceux qui demandent, genre, tu fais ça pour l'argent, je fais pas ça pour l'argent. J'ai pas vraiment de preuves, hein, mais genre, j'ai deux preuves. Déjà, j'ai pas monétisé ma chaîne. Vous pouvez pas ça. Enfin, vous pouvez pas, comment dire, savoir si je l'ai fait ou pas, hein, mais j'ai pas monétisé ma chaîne YouTube. Et aussi parce que si j'aurais voulu gagner l'argent, j'aurais pas fait du contenu sur Foot de Rue, parce que c'est pas là où tu peux gagner le plus d'argent, hein, très clairement. Mais du coup voilà, juste merci beaucoup, et on gagne énormément d'abonnés, je suis choqué. Et genre, j'ai passé les 10 000 abonnés en un an, c'est beaucoup, c'est énorme. Et 10 000 abonnés, je me rends pas compte, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, donc c'est exceptionnel, quoi. Et du coup, on va continuer comme ça, et en fin d'année, si ça continue comme ça, je peux avoir les 20 000 abonnés. Parce que déjà, j'ai gagné 3 000 abonnés depuis le mois de janvier. Donc en 4 mois, j'ai gagné 3 000 abonnés. C'est quand même beaucoup. Donc à voir pour l'avenir, mais vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je suis super content d'avoir une communauté comme ça, comme vous. Donc merci beaucoup. Bon, du coup voilà, j'ai à peu près tout dit, hein, sur ce que je vais faire. J'ai un peu tout dit. Sinon, j'ai aussi deux choses du coup pour les 10 000 abonnés que je vais faire. Alors,
faut pas s'attendre à un truc exceptionnel, hein. Je suis pas Squeezie, hein. Je vais pas sortir un gros concept de fou, évidemment, pour l'instant, hein. Mais en gros, pour les 10 000 abonnés, déjà, je vais faire une tier list avec tous les personnages de Food Diary. Enfin, je dis tout, mais il y aura pas les personnages secondaires nuls, hein, qu'on voit par la fenêtre, non. Mais je vais faire une tier list, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se poser tranquillement sur une tier list, voilà. Vous pouvez même faire des vidéos dessus, vous pouvez même l'envoyer par message ou je ne sais où. Enfin voilà, juste vous pouvez faire des petites tier list. Donc voilà, je vous la mets en description. C'est voilà une tier list avec tous les personnages de Food Diary. C'est la tier list la plus complète qui existe sur Terre. Vraiment, il y a plein de personnages. Et voilà, vous pouvez les classer du meilleur au plus nul. Voilà, ça peut être cool hein, si vous voulez, la petite tier list. Et puis sinon, je vais officiellement ouvrir ma chaîne TikTok. Donc pareil, je vous mets tout en description. Il y a mon lien en description. Je vais enfin faire une chaîne TikTok et je vais poster des shorts. Enfin des shorts, genre les shorts sur ma chaîne YouTube. Et du contenu en plus. Voilà, en gros, voilà, je vais mettre des petites vidéos, des petits edits, des petits montages que je fais. Voilà. Donc il y aura, si vous voulez aller voir du contenu en plus, si vous voulez avoir des frissons sur des edits, bah n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, je vous mets tout en description. Voilà, j'espère que ça va marcher aussi, même si ça va peut-être flop, on verra. Mais du coup voilà, je vous mets tout en description, ma tier list, mon TikTok, voilà, c'est pas des trucs exceptionnels comme je vous ai dit, mais voilà, moi je vous fais une petite vidéo et vous avez des petits trucs, voilà. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content quand même des petits trucs que j'ai fait, même si c'est pas exceptionnel, mais je vous remercie encore pour les 10 000 abonnés, vous donnez une force incroyable, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.